But today, let me go to go back to mama and say, Mama, I'm getting divorced. Oh, I'm getting divorced. Le choix de la femme ou de l'homme que j'ai fait n'a pas marché comme je l'aurais souhaité. C'est pas facile de comprendre, encore moins d'admettre, de voir deux personnes qui se sentent jurées amour, fidélité et tout le reste, et qui se mettent encore à se séparer. Alors, on se demande pourquoi il y a tant de divisions dans les couples, pourquoi il y a tant de divorces. Bienvenue sur Net Africa TV, vous regardez Musique en ligne, un programme qui nous permet d'échanger sur des sujets de société avec en fond sonore des chansons qui y vont avec. Pourquoi y a-t-il tant de séparations des couples africains en Occident? La culture ou les coutumes occidentales fragilisent-elles les couples africains? Quel bouclier les couples africains devraient-ils avoir pour barrer la route au divorce ou à la séparation? Et pour en comprendre, pour en partager, nous avons en ligne Madame Kibongo depuis la France. Bonjour Madame. Bonjour Ted Coppel. Et aussi toujours en France, nous avons Madame Tongo. Bonjour Madame Tongo. Bonjour Ted Coppel. Et pour jouer à la défense masculine ou encore à l'équilibre, nous avons en ligne de Boston aux États-Unis Monsieur Émile Sanda. Bonjour Émile. Bonjour. Voilà, alors pour commencer, deux petites questions, enfin une petite question d'échauffement à celles qui sont en France, Madame Kibongo, Madame Tongo. Après presque deux mois de confinement, quelle émotion vous avez eu aujourd'hui pour vivre les premières sorties? On commence par Madame Kibongo. Bon, merci, merci pour la parole. De parler d'émotion, bon, on pourra peut-être s'en passer du mot. Nous étions confinés et on a appris à vivre dans le confinement. Et quand il s'agit de nous déconfiner, on a aussi réappris à sortir. Okay. C'est vrai, avec la peur, mais Dieu merci, il y a des barrières, on nous exhorte à respecter les barrières. Donc voilà, on s'accoutume à la nouvelle règle, tout en sachant que la vie d'avant, ça sera plus jamais comme avant. Les choses ont changé. D'accord. À nous de réapprendre à vivre. D'accord. D'accord. Sinon, voilà. C'est autant pour Madame Tongo. Oui, c'est pareil, la même chose. Hein. On est là. Bon, mais moi, clairement, j'ai pas vraiment été confinée comme tout le monde. J'ai travaillé. Ah oui. Et je continue à travailler parce que mon travail, quand c'est à l'éditeur, et même quand on est malade, quand il y a le virus et autres, il faut toujours y aller. Donc voilà. Voilà, tout en respectant les mesures barrières. Toujours pour ça. D'accord. Alors, chers invités et chers internautes, vous qui nous suivez, nous parlons des couples africains venus s'installer en Occident. Des couples qui, à un moment de leur vie commune, se sont présentés en Roméo et Juliette.
des gens qui ont donné l'impression d'être des jumeaux, qui se sont partagés bonheur et souffrance, des couples qui se sont soutenus et se sont supportés en Afrique, mais qui malheureusement, une fois bien installés en Occident, finissent par se séparer ou divorcer et à se regarder en chien de faïence. Et tout ceci au nom de la liberté et des droits de la femme. Parlons-en alors. C'est vrai que le sujet est très vaste. En 30 minutes, on ne peut pas aborder tous les points, mais nous allons essayer. Madame Kibango, les droits tant revendiqués par les femmes africaines, quels sont, je vais commencer par Madame Tiongo, quels sont finalement ces droits que la femme africaine vient découvrir en Europe ou aux États-Unis, donc en Occident, et sa grippe sur. Mais en fait, c'est comme tu as dit dès le début qu'en 30 minutes, on ne peut pas aborder tout le thème vu sa grandeur et donc on ne peut pas tout évoquer. Mais seulement les droits que la femme qui quitte l'Afrique vient découvrir en Europe en tant que telle, je ne peux pas vraiment les citer, mais sauf que moi-même étant celle qui a quitté l'Europe et qui a rejoint son mari, qui a quitté l'Afrique et a rejoint son mari en Europe, je peux dire en quelques lignes que ce ne sont pas les droits qu'on vient découvrir en Europe, mais c'est plutôt le comportement que la femme africaine n'a pas chez elle et vient enquérir ici en Europe. C'est ça qui l'emmène à essayer d'ouvrir des yeux sur certaines choses qu'elle n'avait jamais vues. D'accord. L'emmène à détruire son sentier, je ne trouve pas vraiment. D'accord, on va évoquer ce qu'elle vient découvrir là. Mais alors, Madame Kibango, qu'est-ce que vous reprochez? Quel reproche peut-on faire à l'Afrique en matière de ce que des droits et libertés ou encore de ce que la femme africaine vient découvrir en Europe? Quel reproche on peut faire à l'Afrique? Bon, parler de reproche, moi je préfère un peu mettre les guillemets. Le problème c'est que j'aimerais d'abord essayer de comprendre vite société, ces deux sociétés différentes, avec des cultures aussi beaucoup différentes, avec des réalités différentes. Donc ça, c'est déjà mon point de vue. Je commence déjà par là. C'est tellement différent. Parfois, les femmes, on va reprocher quoi à l'Afrique? La liberté, elle reste la même. Okay. La liberté, peu importe que ce soit à l'Occident, en Afrique, partout, les gens, ils veulent être libres. Okay. Donc la liberté, c'est vrai que même quand on te donne juste un peu, on peut définir le besoin de liberté pour chaque humain comme un besoin naturel. Tout à fait. Là, maintenant, reprocher à l'Afrique des choses, ça serait peut-être un peu exagéré parce que c'est vraiment différent. Peut-être la polygamie que l'Afrique autorise. Les réalités ne sont pas les mêmes. En Europe, c'est une société à double vitesse. Voilà, oui. Donc quand une femme africaine, quand elle quitte son Afrique et quand elle arrive en Europe, elle découvre mais tout. Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut reprocher à l'Afrique le fait qu'elle autorise la polygamie, par exemple? Ah non. Moi, personnellement, mon point de vue, je peux dire non. Franchement, j'ai un non catégorique. Oh, ah d'accord, ok. On va revenir ici aux États-Unis. Monsieur Émile, docteur Émile, on dit souvent qu'il faut danser au rythme de la ville qui vous accueille. Est-ce que l'homme africain arrive-t-il à comprendre ou à s'approprier des lois conjugales, par exemple, de son pays d'accueil? Ou plutôt, il préfère rester campé sur les habitudes ou les coutumes africaines? Si tu me permets, j'aurais peut-être juste revenir un peu sur les droits que la femme africaine vient découvrir ici, qui peut peut-être changer les habitudes dans le couple. Oui. En fait, pour moi, quand la femme quitte l'Afrique, elle vient ici, c'est vrai, c'est autre lieu, autre réalité. Okay. Elle a l'autorisation de travailler sans l'accord de son mari, elle a l'autorisation de gérer ses biens sans l'accord de son mari, ce qui n'est pas le cas forcément en Afrique. Mmh. Elle peut se reconnaître ou donner son nom à l'enfant, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Okay. Et le domicile conjugal ici est soumis à un accord commun entre les époux.
ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique. C'est bien vrai que dans les capitales africaines, on a quelques lois, quelques textes qui sont bien beaux, copiés de l'Europe, mais dans la pratique, quand tu vois dans le village, ce n'est pas la réalité. D'accord. Donc, okay. Ça fait que la femme, quand elle vient, la jouissance de cette liberté, l'effectivité de cette liberté ici, pour une femme qui expérimente ça, alors pour la première fois, peut conduire souvent à certains dérives. D'accord. Mais est-ce que l'homme africain comprend ça facilement? Selon toujours la culture, c'est difficile pour l'homme africain d'accepter. C'est comme si l'homme africain découvre qu'il est en train de perdre un ego ou un pouvoir qu'il avait de façon absolue en Afrique. Mm-hmm. Et maintenant, il doit partager avec l'homme ici. Donc, du coup, il traîne des pas pour changer et s'adapter parce que souvent, ça n'arrange pas très, très, très bien. D'accord. Alors, Madame Tongo, vous avez cité en tout cas des changements que la femme africaine découvre un peu, mais on a l'impression que cette femme africaine s'accroche beaucoup plus à ses avantages. Il y a aussi les devoirs qu'elle doit remplir envers son mari, n'est-ce pas? Moi je pense que dans tout ça, il faut d'abord commencer par définir le mariage avant d'en arriver là. Parce que le mariage, que ce soit ici en Europe, en Afrique, et partout ailleurs, est une union conjugale à durée indéterminée, comme on peut le dire. Mais après, chacun de nous essaie d'appliquer ses lois comme il veut, et essaie de faire comme il veut, mais sinon, il y a quand même des bases déjà déterminées. Ok, mais juste une précision. Ici, on parle pas seulement des mariés officiels, mais aussi des ceux qui vivent en union libre. Hein. Bon, mais si tu peux essayer de reprendre un peu ta question pour que... Oui, je disais que, est-ce que les femmes, quand elles viennent en Occident, elles s'agrippent beaucoup plus sur leurs avantages, alors qu'elles ont aussi des devoirs à accomplir, à remplir auprès de leur mari? Mais la femme, elle s'agrippe sur ses avantages par rapport à ce qu'elle rencontre sur place aussi. On ne sait jamais. C'est elle qui vient rencontrer son homme, ou bien c'est les deux qui arrivent au même moment, on ne sait pas. Et ça dépend aussi de l'entourage qui les reçoit. Oui. L'entourage est déjà périmé, comme on peut dire, gâté. Mm-hmm. À ce moment-là, quand elle arrive, elle s'agrippe à la situation qu'elle rencontre et elle adopte le comportement du lieu qui l'accueille. Quand vous parlez de l'entourage, c'est l'entourage du mari qu'elle vient trouver, retrouver ou encore... la mauvaise compagnie, les amis du dehors. Ben oui, je parle des amis du dehors. Ça peut être l'entourage de son mari, ça peut être des personnes qui sont arrivées avant elle, qui vont lui dire, mais ben écoute, ici c'est comme ça qu'on marche, ici il faut piétiner l'homme, ici il faut faire... À ce moment-là, elle adopte le comportement. Mais si depuis chez elle en Afrique, elle a dans sa tête l'idée que l'homme reste le père de la maison. Okay. On a vu des femmes ici en Europe qui sont arrivées et qui ont continué à respecter leur mari jusqu'à la fin. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres, dès qu'elles sont arrivées, elles essaient d'être un tout petit peu calme le temps de recevoir, comme on dit, entre guillemets, ses papiers. D'accord. Ou encore, elle attend juste le temps d'avoir son petit bébé, comme le petit bébé il donne quelques droits. Mmh. Et en ce moment-là, elle commence à s'agiter. D'accord. Mais moi, je dirais que c'est pas vraiment l'Europe qui change des femmes pareilles. Mmh. C'est une femme qui, depuis la base... Donc l'éducation, d'accord, on aurait compris. Madame Kibongo, quand une femme a conscience de ses devoirs à remplir auprès de son homme et décide comme ça délibérément de ne plus agir, alors que au prix de sa vie, c'est cet homme qui s'est démené comme un beau diable pour la faire venir en Occident, ça, c'est quand même énervant, n'est-ce pas? Ah oui, totalement, tout à fait. C'est vraiment énervant même. Oui. C'est de l'ingratitude pure et simple. Mm-hmm. Mais n'oublions pas aussi, nous sommes dans un débat. J'ai beaucoup aimé l'intervention de monsieur tout à l'heure. Oui, Émilie. La responsabilité, moi je pense que la responsabilité pourrait être partagée. Franchement, moi je me positionne du côté de,
Par exemple, comme disait ma soeur tout à l'heure, Madame Tchongo, une femme qu'on emmène, oui, comme vous avez dit, elle doit être totalement reconnaissante. Mais aussi, le monsieur qui l'emmène ne doit pas abuser, parce qu'il y a des gens, parce qu'on est allé te prendre en Afrique, on t'emmène dans un pays comme la France, et parce que donc tu dois avoir une dette morale éternelle. Un homme qui te rappelle chaque fois que c'est grâce à moi que tu es arrivé ici. Par exemple. On ne peut pas vivre comme ça. Mm-hmm. En matière d'amour, en matière de mariage, on ne peut pas vivre dans un état comme ça. L'amour, c'est donné. Quand on donne, on ne compte plus. Quand on donne, on ne mesure plus. Mm-hmm. Quand on donne, on donne. D'accord. La personne ne doit pas être un esclave. Okay. Tout en sachant que le pays dans lequel nous sommes, les femmes sont protégées, même moi, je dois me réveiller à un moment donné. Mm-hmm. Parce que c'est un poids. Oui. Ah, c'est ça. La responsabilité, elle est partagée. C'est vrai qu'on fustige les femmes. Mais aussi, comme a dit le monsieur qui est avec nous en ligne, mais peut-être, mais madame Kibangu, peut-être Confucius. Oui, mais peut-être parce que l'homme qui est resté seul pendant longtemps, qui a beaucoup travaillé dur et préparé seul, et attend quand même qu'il y ait un comportement assez fiable de sa femme. Et quand elle arrive, bon, il y a des choses parfois qui déplaisent. Oui, Ted, oui, moi je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est tout ça là, on devait définir l'amour. L'amour, c'est quoi réellement? L'amour, un homme, quand tu vas prendre une femme juste pour qu'elle te serve de quelqu'un qui doit t'assister, de quelqu'un qui doit remplir tes besoins, de quelqu'un que toi tu dois machiner, il y a un problème. Okay. Si tu vas prendre une femme pour une personne que tu veux partager, comme on définit l'amour, le partager, je pense que au lieu de maximiser les attentes, tu participerais. Afin que l'autre côté aussi, que les choses ne puissent pas être déséquilibrées, qu'il y ait l'équilibre. Oui, de la même manière que tu es rassuré que ta femme, est-ce que réellement, elle se retrouve. Il y a beaucoup de femmes qui viennent déprimer en Europe. Oui. Tu viens, parce que tu as été ramené d'Afrique, tu viens subir l'oppression d'un homme. Mais ça ne peut pas durer. D'accord. Alors, ça ne peut pas durer. Docteur Émile. Désolé, mais ça ne peut pas durer. D'accord. Docteur Émile, lorsque nous regardons les avantages. En matière des droits et libertés que ces pays accordent aux femmes, est-ce que cela ne constitue pas d'emblée un frein sur l'affection de l'homme pour sa femme et même sur sa propre vie? Cela peut contribuer un frein, mais ça dépend de l'interprétation de la femme. Ok. Le temps l'avait dit. Parce que c'est vrai que j'avais dit que l'homme qui avait le pouvoir absolu en Afrique, qui avait son ego, et maintenant en train de perdre, ça ne veut pas partager ce pouvoir avec la femme, peut se sentir frustré. Mais à la décharge de ces hommes, il y a certaines femmes qui une fois qu'elles arrivent, ici, il n'y a plus de pression sociale. Et il n'y a plus de barrières économiques, donc ça fait que déjà elles se libèrent et elles commencent à tenir tête à leur. Pression sociale, entendre par là, par exemple, que les parents peuvent intervenir à tout moment quand il y a des problèmes. Par exemple, en Afrique, on a un mécanisme traditionnel de gestion des crises. La femme pouvait, ce que la femme pouvait tolérer en Afrique, elle ne tolère pas ici. Okay. Les beaux-parents, les mamans, les frères pouvaient intervenir. Mais du coup, il n'y a plus cette pression ici, donc la femme se sent vraiment libre. Mais justement, qu'est-ce qui pousse la femme? Et là, je vais me retourner du côté des femmes. Qu'est-ce qui emmènerait la femme qui peut accepter beaucoup de choses en Afrique, on peut dire même l'infidélité de l'homme, et qu'une fois en Occident, elle dit « n'y est pas question, je ne peux plus accepter ça ». Madame Tchongo. Eh bien, qu'elle dise qu'elle ne veut plus accepter ça, en fait, elle essaie un peu de remettre en cause ses droits. Parce qu'on peut tout de suite dire que les droits de la femme sont complètement bafoués en Afrique. Ah, on peut vraiment se le dire. Et quand elle arrive en Europe, et tu rends compte que finalement, l'homme ne peut pas le battre. Je ne suis pas comme un chiffon pour un homme. Okay. Je rends compte. Et dans l'autre sens aussi, l'homme pouvait de temps en temps frapper sa femme. On rend compte qu'il ne peut pas le faire, mais il y en a par contre ceux qui continuent à le faire. Et oui, justement, ceux qui continuent à le faire et les femmes restent bouche bée, ne parlent pas et ne divorcent pas aussi. Ah mais là, il y a un problème. C'est à ce moment-là qu'on retrouve d'autres femmes
complètement dépressif. Ok. Il faut parler. D'accord. Il faut parler. Ça ne veut pas dire que lorsque l'homme t'a épousé, tu es devenu son chiffon. Non, non. D'accord. Tu as tes droits. Et c'est sans ces droits-là que nous, les femmes, nous venons découvrir ici en Europe. D'accord. Ils sont vraiment appliqués. Mm-hmm. Et on applique sur l'homme comme on peut appliquer sur la femme. Ok. Moi, je dis que c'est quand même un ouf pour les femmes. Hein, Nicolas. D'accord. Madame Kibangu, parmi les causes de séparation, on l'a évoqué tout à l'heure en passant, il y a la mauvaise compagnie. Ça peut être des femmes au foyer ou encore des femmes célibataires. Comment tu peux définir, ou bien vous pouvez définir la mauvaise compagnie? Bon, la mauvaise compagnie, la définition peut être large, mais là nous voulons souvent circonscrire. Oui, justement, dans le cas du mariage. Ouais. La mauvaise compagnie, c'est tout ce qui est externe, tout ce qui est externe au mariage. Ok. Donc, on peut parler des amis, on peut parler de, voilà. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'une femme au foyer, par exemple, peut avoir comme amie, par exemple, d'autres femmes qui donnent l'impression d'avoir raté leur vie? Ou bien des femmes jalouses? Ça, c'est même de la sagesse que chaque femme doit avoir. Moi, je ne vois pas, moi, je ne peux que, excusez-moi de parler le moins haïssable, oui. Mais je préférerais, moi, en tant que, si on m'amène d'Afrique, être dans un mariage avec mon oncle, je préférerais peut-être être en compagnie des personnes qui pourront m'apporter quelque chose. Parce qu'une femme qui n'est pas mariée, tu fais d'elle ta copine, vous allez parler, elle connaît quoi sur le mariage? Oui, mais apporter quelque chose aussi, c'est par exemple... Apporter quelque chose aussi, c'est par exemple vous dire que, ben écoutez, ici on ne blague pas, il ne faut pas que vous acceptiez ce que votre mari est en train de faire, qui sort chaque fois et qui revient en retard. Ça devient un danger, ça devient un petit danger, il faut faire attention. Parce qu'on ne blague pas comment, Hein? Toi, tu me dis, moi j'étais là, j'étais en Afrique, je traînais, je trouvais un sauveur qui est venu me prendre, un sauveur entre guillemets qui m'emmène en Europe. Mm-hmm. Donc, tu commences à venir, j'ai cherché à ouvrir mes yeux pour me dire non, attends, non, ça aussi. L'intelligence devait animer certaines femmes. Quand une personne t'emmène ce genre de conseil, essaie de voir sa vie. Comment elle vit? Parce qu'il y a des femmes qui sont rusées aussi, qui viennent seulement, qui te convoitent. Mm-hmm. Qui te détruire ton foyer, par exemple. Mm-hmm. Donc l'intelligence doit être, en ce moment-là, on doit trouver l'intelligence. D'accord. Je parle pas de l'instruction, mais je parle d'une intelligence. Une intelligence qu'on peut avoir. Justement. Pour essayer de voir que de l'autre côté là-bas, ce conseil-là, il n'est pas la bienvenue. Ce conseil-là, il est peut-être la bienvenue. Mm-hmm. Moi, il y a un détail que j'aimerais quand même qu'on puisse souligner ce soir. Oui, allez-y. Par exemple, la femme qui quitte l'Afrique, quand elle arrive, il y a des réalités en Europe, comme disaient mes consoeurs, comme disait ma soeur, elle retrouve une société qui est bien organisée. La femme doit travailler. Elle a un budget. Peut-être ce qu'elle n'avait pas en Afrique. Oui. Il faut gérer tout ça là. Bon, tu vois, tout ça là, ça change un peu, ça chamboule un peu les codes et puis... Mmh. Mais si tu n'as pas l'intelligence dont je suis en train de mentionner là, tu vas maintenant, tu vas développer des caractères qui seront peut-être un peu néfastes pour la suite de ton couple. Ouais, donc ouais. Le mari, moi je pense que c'est le mari qui doit être en ce moment-là responsable, mais vraiment responsable pour la survie du couple. D'accord. Car le mari qui a vécu peut-être pendant longtemps en Europe, oui. Tu dois être là pour réguler, le régulateur du couple doit être le mari. D'accord, parce que la femme, quand elle découvre une autonomie financière... Oui, allez-y. Un intervenant. En fait, j'aimerais bien revenir sur un petit point qu'a souligné Madame Kibangu. Madame Kibangu, voilà. En fait, je disais que ce sujet était très vaste par rapport à tout ça. Je ne suis pas en train d'acculer les femmes mariées parce que je suis moi-même femme mariée. Ça ne veut pas dire que je suis la plus exemplaire. Justement, on comprend ça bien. bon, mais en fait, je voulais quand même épargner les femmes qui ne sont pas mariées. Okay. Les femmes qui ne sont pas mariées sont pas. En fait, la mauvaise compagnie, c'est pas seulement les femmes là qui ne sont pas mariées. Okay. Même celle qui est mariée, elle peut aussi être une mauvaise compagnie. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Donc, attention. Okay. Parce que. Les plus mauvaises, je peux dire. Hein, ce sont celles qui sont mariées. Ce sont celles qui sont mariées. En fait, les femmes mariées. Peut-être par jalousie, peut-être pour ne pas que tu viennes les dépasser aussi. Voilà.
Ouais. Vis ce que toi tu vis, avec son mari elle n'a pas la paix que toi tu as, avec son mari elle n'a pas les avantages que toi tu as, et elle peut aussi t'inspecter en quelque chose de mauvais. D'accord. Donc, il faut savoir nuancer les choses. D'accord. Alors, venons-en à un autre point très capital, et là je me tourne du côté de monsieur Émile. Docteur, la loi accorde par exemple à la femme le droit de maîtriser sa reproduction. Le droit de, à l'autonomie corporelle. Vous avez évoqué quand même beaucoup de points tout au début. Donc, ça veut dire la femme, et que les hommes devraient le savoir, la femme, même étant dans le foyer, peut refuser son corps à n'importe quel moment à son homme et même lui imposer la contraception. C'est ce que la loi dit et elle autorise à la femme de le faire. Ce que le mari africain a du mal à accepter ça. Lui qui est imbu de son intégrité bantou ne peut pas admettre ces choses pareilles, n'est-ce pas? Bon, ça c'est à nuancer parce que en fonction des hommes, on peut nuancer. Parce qu'il y a certains hommes, dès qu'ils arrivent ici, ils voient que les conditions de vie sont difficiles et tout. Bon, donc, eux-mêmes, ils freinent à faire beaucoup d'enfants. Donc, okay. Ils ne sont pas trop opposés à la contraception que la femme veut utiliser. Okay. Par contre, les hommes qui veulent peut-être continuer de faire beaucoup d'enfants parce que souvent il y a les aides sociales et que la femme dit bon, je vais espacer, je vais me reposer, ces hommes-là peuvent voir ça de mauvais œil. Mm-hmm. Et du coup, ça peut être aussi une source de palabres dans le foyer. D'accord. Est-ce que, Madame Kibongo, est-ce qu'au fond, tout cela ne se résume pas autour de la sexualité? Voilà, c'est une question qui est très, très, très vaste. Maintenant, tout cela se résout autour de la sexualité. Moi, je ne vois pas, en tant que femme au foyer et que mon couple fonctionne normalement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en parler normalement, parce que la société dans laquelle nous vivons, c'est une société à double vitesse. Mm-hmm. Donc les enfants aussi, on ne va pas les avoir pêle-mêle. Okay. On doit peut-être les organiser, la maternité, tout ça, c'est pour toujours la survie du couple. Oui. Pour le bien, parce qu'en France, ce n'est pas comme en Afrique, là où on a des nounous, on a des mamies, on a des gens pour venir assister. Donc, quand tu mets au monde, c'est tout un système qui est comme arrêté. C'est vraiment un bouleversement. Ouais. Donc je pense que s'asseoir pour parler d'organiser les maternités, je ne vois pas en quoi ça peut être un problème. Maintenant, ce qui est dans les réalités des couples, de la sexualité dans le couple, ça c'est encore une autre réalité. Mm-hmm. On peut rester là, faire même 3 émissions, on ne va jamais s'accorder. D'accord. L'homme c'est quoi? Le besoin de l'homme c'est quoi? L'homme c'est, qu'est-ce qu'il veut dans un mariage? Il veut que la femme le respecte. Oui. Le deuxième besoin c'est le sexe. Oui. Donc il ne veut rien comprendre. En Europe, les femmes travaillent beaucoup. Tu as une femme qui est là, elle fait surtout si elle travaille dans le tertiaire, elle travaille beaucoup, elle est fatiguée. Mm-hmm. C'est pas parce que tu l'as ramenée d'Afrique, elle peut pas te dire non. Oui. C'est un sacrilège, ça devient un sacrilège, non? Oui, c'est ça aussi. Justement, c'est son droit. D'Afrique, et c'est maintenant un plat à volonté, qu'on doit manger à volonté. Non, non. Mm-hmm. C'est ça aussi la liberté. Alors, Madame Tongo, aurais-je tort de dire qu'un homme qui est bien nourri sexuellement réfléchirait plusieurs fois avant de se séparer d'avec sa femme, quand bien même cette dernière peut afficher des comportements désobligeants? Ah ben là, je te dirais un non catégorique, parce que le sexe n'est pas à la base de l'amour. Ok. Non. C'est d'abord l'amour en premier. Le sexe vient après. Mmh. Et donc, quand il faut prioriser le sexe à ce moment-là, cet homme a un problème. Okay. Parce que comme Madame Kibongo vient de le dire, en France ou bien en Occident, les femmes travaillent. C'est pas comme en Afrique où la femme elle doit rester à la maison en train de prendre des enfants et le monsieur il va travailler, il ramène tout pour la femme. Mmh. Ici, c'est tout le monde qui se lève le matin pour aller travailler. Alors l'homme et la femme se lèvent au même moment, s'il faut se lever à 4h ou à 5h ou à 6h ou encore, il y en a ceux qui travaillent que de nuit. Eh bien, tu te lèves, tu travailles toute la journée, tu arrives à la maison, la femme africaine, la bonne, elle rentre dans la cuisine, elle fait le plat pour sa famille. Oui. Et c'est encore la même qui doit servir le mari au lit à ce moment-là. Elle a le droit de dire, là, non. C'est pas bon. Mm-hmm. Elle a le droit de dire, si, on peut y aller, ou encore, non, on ne peut pas. Elle a bien le droit. Mais si tu dois, toi, l'homme, me
me caser quelque part pour me dire à ce moment-là que tu m'as rien donné, tu n'es pas une bonne femme, ou encore je dois adopter tel comportement par rapport à toi. Alors cet homme, il a un problème. D'accord. C'est vrai que nous parlons des femmes qui arrivent de l'Afrique, mais il y a aussi des femmes qui vont prendre des hommes en Afrique, et souvent c'est la même chose. Certainement, nous allons en revenir très prochainement. Mais est-ce que, au final, la question est posée à vous trois? On va commencer par Madame Kibongo. Est-ce que les coutumes occidentales qu'on découvre fragilisent les couples africains? Ah bon, c'est une très bonne question. Bon, fragiliser, on peut dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que ça fragilise, parce que imagine. Avec une autre éducation, même en matière de sexe, en matière de comment exprimer mes sentiments. Je prends l'exemple ici en Europe, les femmes et les hommes peuvent s'embrasser dans les lieux publics. Tu marches avec ton mari, vous pouvez vous embrasser dans un centre commercial partout. Mais ça, c'est bien, non? En Afrique, ça devient. On vous prend même pour des malades. Donc, tout ça là, c'est un peu parfois difficile à intégrer, emmagasiner si vous voulez. Mais après, c'est comme on a l'obligation de s'intégrer. On a l'obligation de s'intégrer, de fragiliser peut-être au début, oui. Mais la fin, ça serait pas seulement. La fin pourrait être bien, moi je pense. D'accord, je pense que s'embrasser dans les avenues, dans les rues, ça c'est un avantage, c'est un piment qu'il faut ajouter en amour. Mais Madame Tongo, est-ce que tout ce que vous avez cité lorsque la femme vient d'Afrique et découvre tout cela, est-ce qu'on peut dire finalement que les coutumes occidentales fragilisent les couples africains? Oui, les coutumes fragilise en fait les femmes qui viennent de l'Europe, de l'Afrique, simplement parce que on arrive à la découverte, en fait, une grande découverte. On arrive à voir ce qu'on n'a jamais vu, à vivre ce qu'on n'a jamais vécu, et donc automatiquement on est bouleversé, tout est chamboulé. D'accord. On a envie. On a envie de faire ce qu'on n'avait jamais fait. D'accord. Donc, il faut dire que ça compte vraiment. Ça compte. Monsieur Émile. Oui, je pense qu'effectivement, les coutumes occidentales fragilisent les couples africains. Parce que toute fois qu'on arrive ici, il faut d'abord apprendre ces coutumes, les accepter et les mettre en application. Or, souvent, l'acceptation prend du temps tellement que... C'est difficile souvent d'incorporer ça. Ouais. Alors, je vais reprendre avec vous aussi. S'il y a un conseil à donner aux couples africains pour qu'on n'assiste pas toujours à ces séparations, à ces divorces, quel serait le vôtre? Alors, moi je pense que comme conseil j'ai à donner, c'est l'amour et la discussion. C'est-à-dire que les partenaires doivent apprendre à s'aimer ou réapprendre à s'aimer. Tant qu'il y a l'amour, on peut accepter, on peut faire des concessions, on peut pardonner. Oui, l'amour pardonne. S'il n'y a pas d'amour, on peut facilement pour une petite dispute et puis glisser vers le divorce ou la séparation. Et aussi la discussion. Comme il n'y a plus les mécanismes traditionnels africains pour gérer nos palabres ici, il faut que les deux partenaires discutent, se parlent. Et quand on se parle, on peut arrondir les bords et puis éviter certains conflits inutiles. D'accord. Madame Kibongo, un conseil à donner aux couples africains pour qu'on n'assiste pas toujours à ces divisions? Oui, moi je veux pas être trop long. Je veux juste dire de faire attention à nos valeurs. Donc toi, en tant que femme qui est en Afrique, quand un homme vient te prendre par conseil de sa famille, par exemple, que cette fille-là est polie, que une fille polie, on est en train de prôner ta politesse, quand on domine en Europe, reste polie. Ouais. C'est cette politesse-là qui avait séduit le mec. Tout à fait. Donc, faut vraiment veiller aux valeurs. Aux valeurs, ne pas céder aux anciennes valeurs parce qu'on a changé de continent ou on a changé d'état. D'accord. Faut vraiment veiller aux valeurs. D'accord. Veiller aux valeurs, voilà. Et dialoguer, comme a dit Monsieur. Beaucoup dialoguer. Alors, Madame Tongo, pour terminer, un conseil à donner? Bon, ben,
je dirais une très bonne compétence en communication. Mm-hmm. C'est vraiment à la base d'un très bon mariage. Ok. Sans rien ajouter de plus. D'accord, en tout cas, Madame Kibongo, Madame Tongo, si vous avez des personnes à qui vous voulez faire des coucou, Madame Tongo. Eh bien, je fais mes coucou à tout le monde, à tous ceux qui suivent l'émission de Tête Copel. D'accord. Et à tous nos amis de partout, ils se trouvent en tout cas, que Dieu vous bénisse. D'accord. Nous finissons avec Paris, Madame Kibongo. Moi, j'ai un coucou particulier à faire à Madame Gatemia. Elle écoute beaucoup l'émission de Tête Copel. Mm-hmm. Voilà, des gros bisous de Paris. Ok. Et je suis encore resté sur ma soif, hein, monsieur Tête Copel. Et justement, on reviendra dès que possible. Ah oui. D'accord. Armez-vous encore et puis on reviendra. Monsieur Émile. Oui, j'ai un coucou à mon ami Arnaud du côté de la Pennsylvanie, mm-hmm. un coucou à mon frère Belle Roland en Allemagne, et un coucou à un ami Médard Désiré du côté de la France. D'accord. Merci à tous les trois d'avoir donné un sens à cette émission. En tout cas, merci encore à Madame Kibongo depuis la France, Madame Tongo depuis la France et Monsieur Émile Samda depuis Boston, ici aux États-Unis. Je vous dis merci. Voilà, l'émission touche à sa fin et tout ce qu'on va dire, c'est quoi? Vous avez retenu tout ce que les uns et les autres ont dit. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le couple est un jeu d'équipe dont chaque joueur doit connaître parfaitement les règles et les respecter. C'était un plaisir de vous présenter ce programme et retenez, dans ce monde où rien n'est donné, la réussite est au bout de l'effort. Prenons bien soin de nous, car chaque jour est une vie. Et à très vite sur Net Africa TV. Au revoir. Asili sanga ponsa ya libalo yo mama. Mama. Bana tombo to kutwa kipaka ne makote. Mama. Kovanda na mwesi kutwa ebaka na yeti. Mama. Réponse n'est y'a mon nom, oh, j'ai de l'argent. Je suis encore jeune. Pour moi, de l'amour. Pour qu'il y ait de l'amour. Tout le monde. La vie m'a qu'à la passion.